Est-ce que vous vous reconnaissez, Alain Lamourandais? Non, je n'ai pas de mitre, je ne suis pas évêque. Ne suis pas Charlie. Non, mais vous reconnaissez vos collègues, en tout cas, un représentant d'un ecclésiastique. Oui, je reconnais mon collègue. Ça vous gêne d'être caricaturé et assimilé comme ça à la meute qui poursuit Charlie Hebdo? Moi, ça ne me gêne pas parce qu'on est dans une tradition, on a été persécuté pendant les 5 premiers siècles. Vous sentez persécuté parce que vous êtes dessiné, caricaturé? On a l'habitude dans notre culture d'être insulté, infamé, persécuté. Donc je ne m'en affole pas plus que ça, quoi. Je trouve surtout que c'est de mauvais goût et un peu obsédé sexuel. Sauf là, pour une fois. Et pourquoi j'en ai une ou deux. D'abord, on va entendre le pape qui est aussi dans ce numéro, on l'a vu hier soir, et on caricature ce moment que vous avez sans doute tous entendu. Écoutez. Tante gente qui parle les autres religions ou les religions le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri, questi provocano e può accadere quello che accaderebbe il dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? C'è un limite. Ogni religione ha dignità. Le coup de poing du pape, est-ce bien catholique tout ça? Ça s'appelle la légitime défense. Non, la loi du talion. Ce qui était une amélioration dans la loi juive, la loi du talion, c'est avant, pour une main coupée, on t'en coupait 10. Vous n'allez pas faire l'apologie de la loi du talion. C'était historiquement, ne faisons pas d'anachronisme, c'était un perfectionnement de la loi. Mais là, si on insulte votre mère, vous avez le droit de taper. Donc si on insulte votre religion, vous avez le droit de réagir avec violence. C'est le même principe. L'œil que vous parlez ne parle pas de ça, hein, de la dignité. Oui, parce que ce qu'il a dit avant. Non, mais attendez, c'est extraordinaire. Mais ça marche bien, la dignité, parce que s'il y a une religieuse qui était vexée par une caricature, il peut aller en tribunal et poser les plaintes. Et s'il faut payer, on sait qu'on est en France quand même. Vous avez dit que vous n'étiez pas Charlie. Quelqu'un est Charlie sur ce plateau? Je ne suis pas Charlie. Ou personne? Je suis un tiers Charlie. Ah, c'est ça, on ne les voit pas. Hein, alors je suis ce Charlie qui défend la liberté d'expression, mais je ne suis pas le Charlie qui insulte mon prophète, c'est sûr. Je pense avec tout ce qui s'est passé, je suis Charlie dans les bons sens, et que nous avons la solidarité, nous avons les chagrins pour tout ce qui s'est passé, évidemment. Mais au nom de la liberté d'expression, on devrait pouvoir dire, je ne suis pas Charlie. Bien sûr.